Fils d'un génois et d'une française, Marcello Pagliero passe ses 7 premières années en Angleterre. La famille revient en Italie en 1914, où il fait sa scolarité. Il fait ensuite des études de droit, puis travaille dans le journalisme comme critique littéraire et critique d'art. Après avoir collaboré à diverses revues et journaux, il se consacre au cinéma, d'abord comme traducteur de dialogues de films étrangers. À partir de 1940, il écrit des scénarios pour des films italiens d'assez faible envergure. En 1943, il passe derrière la caméra, mais ses premiers essais de réalisateur ne sont pas très heureux. Il commence 3 films, mais doit en abandonner 2 pour manque de financement, et du fait de la détérioration de la situation militaire. Sur le plateau de Scalo Merci, il fait la connaissance de Roberto Rossellini, qui devient un ami. En 1945, Rossellini lui donne le rôle principal de Rome, ville ouverte, celui de l'ingénieur communiste Manfredi, chef de la résistance. À la fin de 1945, avec Rossellini, Sergio Amidei, Klaus Mann, Federico Fellini, Alfred Ayer Vasco Pratolini, il coécrit le scénario d'une autre œuvre majeure du néoréalisme, Paisa. En 1946, il réalise son premier film, La nuit porte conseil, Roma città libera, écrit par Ennio Flaiano, Cesare Zavattini et Marcello Marchesi, interprété notamment par Vittorio De Sica et Valentina Cortez, distribué seulement 2 ans plus tard. Ce film connaît un échec. Après avoir interprété un rôle d'ingénieur dans le film de Carlo Ludovico Bragaglia, L'Altra, il part en France, où il mène une carrière d'acteur dans des films dramatiques et dans des films noirs. En France, il est rebaptisé Marcel Pagliero et comparé à Jean Gabin. Il y poursuit sa carrière de réalisateur, dirigeant son film le plus important, Un homme marche dans la ville, 1949. Souvent considéré comme son chef-d'œuvre, il revient en Italie dans les années 1950 pour sa seule expérience théâtrale. En 1953, il met en scène, en collaboration avec Luciano Lucignani, It, une version de la Mandragore de Machiavel. En 1954 à 55, il réalise 2 films dramatiques, Vestirge e gli ignudi et Vergine Moderna, ou des films d'aventure comme Cheri Bibi. Après cela, il retourne définitivement en France où il dirige d'autres films qui rencontrent moins de succès, et apparaît par intermittence comme acteur jusqu'à son retrait, vers la fin des années 1960.